Nous sommes 42 avenue Mozart, 4e étage, avec ascenseur, digicode, 2 appartements par étage, et voici l'appartement. Donc 42 avenue Mozart, 104 mètres carrés, enfin 103 mètres carrés et des poussières. Voici donc l'entrée, une porte avec 3 points de sécurité, une belle galerie d'entrée, qui se termine avec un miroir, et une porte d'accès vers... une chambre ici, une salle de douche. Donc grande galerie d'entrée avec placard EDF ici. Une porte, voilà, donc galerie d'entrée avec parquet au sol, spot au plafond. Belle galerie, double porte, enfin porte devantaux, pardon, à 3 points de sécurité. Le tableau électrique ici. Il y a même un système d'alarme dans le temps. Bois là, il y a même encore d'ailleurs les boîtiers de détecteurs de présence si on veut reprendre un abonnement alarme. Le double salon sur balcon, donc séjour double, belle surface de salon. J'ai du mal à vous donner la surface parce que je n'ai pas le diagnostic en tête, mais on a bien un bon 40 mètres carrés, je pense, 20 et 20, oui. Avec donc 3 fenêtres avec double vitrage sur balcon filant qui fait à la fois le salon, salle à manger et la première chambre. Donc balcon filant sur l'avenue Mozart. Et nous sommes, je dirais sud-est de ce côté-ci. Voilà, belle cheminée, beau miroir, parquet pointe de Hongrie, chauffage individuel au gaz. Donc belle... belle surface de salon, enfin de réception quand on arrive dans cette galerie d'entrée. Assez élégant. Voilà, c'est un appartement élégant. Donc salon, salle à manger. En face de cette galerie d'entrée, nous allons avoir toilette séparée avec lave-main, toilette encastrée, luminaire. Voilà pour les toilettes. Et un autre petit dégagement sur la droite, vous allez avoir la cuisine. Cuisine avec plan de travail ici, enfin plan de travail, comptoir-bar pour déjeuner ou petit déjeuner, four, plaque, hotte, arrivée-descente, lave-linge ici. Ici, les tiroirs. La chaudière, puisque le chauffage est individuel au gaz, c'est une Frisquet, donc c'est la Rolls de la chaudière. On va donner sur une cour assez dégagée, plein ouest, comptoir et emplacement réfrigérateur ici. Voilà ce qui fait une belle cuisine. Alors il y a une arrivée descente machine ici. Je ne sais plus s'il y en a, je pense qu'il y en a une autre dans la salle de douche, dans la salle de bain. Pour mettre lave-linge et lave-vaisselle. Voilà, vanne générale d'eau froide que vous voyez là. Une belle grande cuisine. Ensuite, on retourne sur les galeries d'entrée. Au bout de cette galerie, qui se termine par un miroir, on va avoir une porte avec grand placard, dégagement. Grand placard, penderie et étagère. Et penderie. Enfin bref, grand placard sur la longueur, donc un grand placard qui fait plus de 2 mètres de long. Je ferme. Donc, dégagement qui va accéder sur la droite. On dirait que c'est la chambre parent. Ça fait une petite suite indépendante. Donc, une grande chambre qui redonne accès au salon par là, puisque cette chambre donne sur la rue Mozart, sur le balcon. Avec belle cheminée, toujours parquet pointe de Hongrie, radiateur, peinture blanche, neuve. Voilà, avec belle cheminée, elle est grande cette chambre également, elle fait bien pas loin de 20 mètres carrés également. Et cette chambre donne à la jouissance de cette salle de douche. Salle de douche,
avec radiateur sèche-serviette. Arrivée descente lave-linge, la voici la deuxième, pour mettre le lave-linge ici, meuble lavabo et fenêtre. Alors, rien n'empêche de mettre des films peut-être un peu translucides pour donc, ceci dit, on n'a pas vraiment de vis-à-vis parce qu'on est sur le mur de la du voisin. Donc belle salle de douche avec arrivée descente lave-linge, meuble lavabo, luminaire, ventilation. Voilà, on retrouve le dégagement ici. Donc ça fait vraiment un appartement séparé, chambre, dressing, salle de bain. Et de l'autre côté, sur cour, cette fois-ci, on va avoir une deuxième chambre, plus grande encore que celle que l'on vient de voir, qui va donner sur cour, donc plein ouest. À côté de la cuisine d'ailleurs, c'est la même vue que la cuisine, avec une belle cheminée, miroir, un petit placard à l'ancienne ici et grand placard penderie étagère là. Pour de l'ancien, en fait, il y a des placards partout. Placard dans la cuisine, bon, ça c'est des aménagements qui ont été faits, mais ces placards là également dans le dégagement vers la première chambre et dans cette deuxième chambre. Et cette deuxième chambre donne accès donc à cette salle de bain avec une baignoire un petit peu à l'ancienne. Et si j'arrive à ouvrir, enfin bref, il y a un placard, étagère qui est là. Pareil, on a la même visibilité, enfin la même vue que dans la salle de bain, la salle de douche d'à côté. Elle a le mérite d'avoir une fenêtre aussi, cette salle de douche, qui est plutôt agréable. Et donc, on a une baignoire qui est là, meuble lavabo, avec miroir, spot. Et donc, encore une fois, les peintures sont neuves. Carrelage au sol. Alors, ils ont tiré le radiateur ici, parce que je crois qu'il y avait une fuite. Et je pense qu'on attend le nouveau radiateur. Voilà, bon, le locataire s'est jamais plaint de. Donc j'imagine que même en hiver, il doit faire quand même chaud. Voilà, donc grande chambre. Grande belle chambre. Sur cour. Voilà, c'est un bel appartement. Assez compact, un plan assez moderne pour de l'ancien. Et ce balcon agréable sur lequel on peut mettre une petite table, deux chaises, sans problème. Double vitrage, huisserie de bois. Voilà. Donc nous sommes 42 avenue Mozart, quatrième étage.